Fils prenant la chair pour le salut. C'est la deuxième dispensation, la deuxième dimension dont nous avons parlé. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième dispensation, mais en récapitulatif. Amen. Je pense que tout le monde est là. Oui. Le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Père producteur, parce que quand nous parlons de Père, il est producteur. Un Père, c'est un producteur de vie. Il a produit la vie. Il a produit l'invisible et visible. Rien n'existe sans lui. Amen. Rien n'existe sans Dieu, sans notre Dieu, le Père. Il a produit tout. Il m'a produit, il vous a produit. C'est ainsi, nous vivons par lui et pour lui. C'est ainsi, même la Bible dit, au Colossiens, la Bible dit, et tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, nous lui appartenons. C'est la première dispensation en tant que Père. Et c'est ainsi, parce que le Fils qui lui a produit, il a créé, il a donné vie, il s'est égaré de sa volonté. C'est ainsi qu'il devrait venir en tant que Fils, s'identifier au Fils pour le racheter. Amen. Pour le racheter, pour le ravir, l'enlever de la puissance des ténèbres. Mais comment le ravir, l'enlever de la puissance des ténèbres? Il devrait s'identifier à vous, s'identifier à moi, en prenant votre vie, en prenant ma vie, en prenant vos péchés, en prenant mes péchés. C'est ainsi qu'il devrait mourir. Amen. Il devrait mourir, il devrait s'identifier à vous et à moi. C'est ainsi qu'il devrait prendre cela à la croix. Il devrait verser son sang. Dans la première dispensation, quand il prend la dimension, il vient se dévoiler à Israël. Il dit, quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. C'est-à-dire, c'était l'image de la vérité qui devrait être dévoilée dans la deuxième dispensation. Amen. Je m'excuse si le Seigneur m'amène dans cette dimension-là. Amen. Donc, il devrait prendre votre chair, prendre ma chair, prendre votre nature, pour que nous puissions prendre la sienne. Ce n'est pas pour rester la même personne, non. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ a un sens. La mort de Jésus-Christ n'est pas une religion à célébrer seulement, mais la mort de Jésus-Christ a un sens et doit trouver le sens à vous et à moi. Amen. Sinon, ça serait une religion. Sinon, ça serait une culture. Sinon, ça serait un rassemblement des gens. Sinon, ça serait inutile. Alléluia. Mais la mort de Jésus-Christ trouve le vrai sens quand vraiment... Je vais toucher ça. Après. Amen. Amen, Église. Amen. Waouh. C'est ainsi que... Dans la première dispensation, il dit, quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. C'est-à-dire, cette maison, cette famille, ce peuple ne sera pas jugé. Il ne passera pas sous le jugement. Et dans la deuxième dispensation, le sang ne se trouve pas sur nos linteaux de fesses, sur nos linteaux de maison, non. Amen. Là, le Seigneur Jésus-Christ devrait donner sa vie. Il devrait donner le sang, parce que la vie est cachée dans le sang. Là, le sang devrait être manifesté, donné, comme prix de rachat pour nous racheter. Il n'y a personne qui peut donner cette valeur, ce prix-là. Amen. Il n'y a personne qui peut donner ce prix. C'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. C'est ce que vous et moi devons valoriser, le prix-là. Le prix du rachat, il est notre rédempteur. Il a pris ma place, il a pris votre place. Nous devons sentir ça. C'est ainsi. Le salut n'est pas quelque chose à jouer avec. Non. Il ne faut pas jouer avec le salut. Le salut coûte trop cher. Ça coûte la vie de tout un créateur. Amen. Ça coûte la vie de tout un créateur. Même pas la vie de la créature, mais ça coûte la vie du créateur. Ça vaut plus que l'or et l'argent. C'est pourquoi un vrai chrétien ne valorise pas
chrétien pour avoir l'argent. Je ne suis pas chrétien pour avoir de l'or. Je ne suis pas chrétien pour être riche. Mais je suis chrétien parce que Jésus m'a racheté. Je suis fier de ça. Et je ne mérite pas d'être chrétien à cause de la richesse. Non, les païens ont la richesse aussi. Les païens voyagent aussi. Les païens aussi ont les mariages. Mais ils n'ont pas ces déchets. Satan peut vendre les diamants à quelqu'un. Satan peut vendre l'or à quelqu'un. Mais Satan ne peut pas donner le prix que le Seigneur m'a donné, m'a acheté. Non! C'est ainsi que je dois valoriser. Nous devons valoriser. Amen. Devons comprendre qui sommes-nous. Devons valoriser ça. Devons comprendre ça. C'est pourquoi nous devons quitter le christianisme d'être chrétien quand j'ai bien mangé, d'être chrétien quand je suis bien vêtu, d'être chrétien quand je suis très bien. Non, ce n'est pas ça la signification du christianisme. Non, non. Les prédicateurs de l'évangile, les ministres de la parole de Dieu doivent oublier cette notion des choses que le diable a mélangées pour montrer aux gens les biens matériels, mais pour ne leur pas parler de la vérité de l'évangile, qui est le salut, la valeur du salut. Amen. Waouh. Alléluia. C'est ainsi qu'il a donné son sang. Il a donné son sang. Après avoir donné le sang, il a vaincu le péché. Comme nous l'avons dit hier, il a vaincu le péché. Il a vaincu ce qui était plus fort. Parce que ce qui donnait la valeur au diable, c'est le péché. Il a vaincu à la croix. Il a détruit ça à la croix. Mes amis, ce qui donne la valeur au diable, c'est le péché. Mais Jésus a vaincu ça. Le péché n'a plus de puissance. Le péché n'a plus de force. Ce qui a la force, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu est glorieuse. Elle produit la lumière. Elle produit la puissance. Elle produit la gloire. La justice de Dieu. C'est ainsi. Vous voyez même dans la révélation des gens, la Bible dit que ces gens étaient vêtus des robes blanches. Et ces robes, il y a la lumière. Remarquez. Même quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même est ressuscité, je n'ai pas touché ça hier. Il est ressuscité avec. Et il a dit que personne n'a cousu. Qui peut me dire là où est venu cet habit-là? Mais c'est un habit qui parle de la gloire de Dieu, qui parle de la justice de Dieu, qui parle de la merveille de Dieu. Et personne ne pouvait le toucher après la résurrection. Avant la résurrection, oui, on pouvait le toucher parce qu'il s'est détendu fièrement. Mais quand il est ressuscité, la personne ne pouvait le toucher. Quand quelqu'un pouvait s'approcher du tort. Amen. Ça parle de la justice. Quelqu'un qui a la justice, il est puissant. Il est merveilleux. Il est rempli de la lumière. Et la lumière, il n'y a personne qui touche la lumière. Quand les ténèbres s'approchent à la lumière se transforme en feu. Do we understand? Nous comprenons ça? Amen. Amen. C'est ainsi, quand il est allé dans le tombeau, il a vaincu le dernier ennemi, c'est la mort. Il est ressuscité dans le tombeau. Oui, le tombeau ne peut pas garder le Créateur. C'est impossible. C'est impossible. Quelque chose. La mort, est-ce que la mort peut garder la vie? La vie est toujours au-dessus de la mort. Jamais la mort peut être au-dessus de la vie. Non, mais la vie est toujours au-dessus de la mort. C'est pourquoi il est extrêmement élevé. Il est au-dessus de tout. Et il est au-dessus de tout. La vie est au-dessus de tout. Oh, la terre, elle marche bien de Jésus. Satan, elle marche bien de Jésus-Christ. La mort est en bas des pieds. Oh, ha, l'orite de l'homme. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. Du salut. Nous avons parlé, c'est une forme de parler sur la puissance
de la croix, la puissance de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler comment, la Pâque devient réelle, devient vie. Mes amis, la Pâque ne doit pas être quelque chose à célébrer seulement un jour, mais la Pâque doit être une vie. Est-ce que nous pouvons aller dans cette dimension-là? Peuple de Dieu, on peut aller dans cette dimension-là. Ce message, je n'ai pas encore parlé. Vous êtes bénis. Amen. Je sais que le monde entier va saisir ça. Par la gratitude. Mais vous le suivez en direct. Et la Pâque doit devenir vie. Votre vie. Donc la joie, vous dites, la joie de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Et comment ça peut devenir votre joie? Et comment vous pouvez sentir cette joie? Comment vous pouvez vous réjouir de cette joie? C'est à la dimension dont nous allons parler maintenant. Est-ce qu'on peut nous tenir debout pour lire la parole de Dieu, notre texte principal? Je vous demanderai d'être vraiment attentif au message 1 Corinthiens, être connecté au trône de Dieu, parce que les choses de Dieu ne se saisissent que spirituellement. Amen. Les choses divines ne se saisissent que divinement et spirituellement. Mais quand vous êtes sur la terre, votre esprit est encore borné sur la terre, c'est difficile de saisir ce qui est céleste. Amen. La révélation ne se saisit pas dans la chair. Il faut se déconnecter de la chair. 1 Corinthiens 5, 7, 7, 5, 7 à 8, 1 Corinthiens 5, 7, 7, 7 and 8. Put out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as you are unleavened, for in Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast not with all the leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Friends, friends. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Father, we thank you this afternoon for your grace and mercy, Lord Jesus Christ. Who is God like you, greatest King? Father, our heart trembles before your glorious throne. Our heart trembles before your glorious speech, Lord. Our heart trembles before your glorious King, our Shepherd, Lord Jesus Christ. Our heart trembles before who you are, Shaddai. You are immeasurable, God. We exalt your holy name, Lord. We lift you highly, high, Lord Jesus Christ. Yes, this night we want to see your glory again. Father, we never change, all Almighty God. Lord Jesus Christ, celebrating your death and your resurrection. Now we want to celebrate it, Father, to our life, Lord Jesus Christ, daily, all our life, Lord. Manifest your glory this night, Jehovah. Help us to see your glory. Come down, Father, change, transform, Lord.
deliver Father for your glory. Save Lord Jesus Christ. Heal, redeem. You are ready. Redeem us by the blood of the Lord Jesus Christ. But this night, Father, we want to touch the truth of salvation. We want to touch your Father, who you are and what you have, Lord Jesus Christ. I believe, Jehovah, that nothing is impossible to your greatest aim. You can do more than what you expect for Lord Jesus Christ. You are greatest in Jehovah, Lord. Manifest your glory. Throw yourself in this place, Lord Jesus Christ. Father, glorify your holy name at all. Speak to us, Father. We want to hear your voice, Lord Jesus Christ. Father, we are and we belong to you. Have your way, Jehovah. Lord, souls present, far also, Lord Jesus Christ, speak, because you are the Lord of present God and Lord of far. You can touch presently and do far off. Have your way, Shaddai. Thank you, Lord. Thank you, Lord, again. Thank you, Almighty God. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. C'est comme nous disions à notre mission de notre message, du message qui nous concerne, parlant de Christ, notre Pâque, qui a notre Christ le vivant, la foi. C'est pas que c'est féminin ou masculin. La Pâque, sorry. Le français a trop de principes. Amen. L'anglais c'est direct. Amen. Oui. Christ, la Pâque vivante. C'est-à-dire, nous allons parler, comme je disais, à la troisième dimension, c'est-à-dire par rapport à la dispensation. Quand nous parlons des dimensions, nous comparons à des dispensations. Hier, nous avons parlé comme à deux dispensations, il y a deux dimensions, mais aujourd'hui, c'est à la troisième dispensation où Dieu, parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu, il y a trois dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu là, qui a voyagé dans trois dimensions. Amen. 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 Wow, amen. Ce même Dieu-là, il a parcouru dans trois dimensions. La première dimension que nous avons parlé, il s'est dévoilé au monde en tant que Père, producteur. La deuxième dimension, prenant votre nature et la mienne pour me racheter. Parce qu'il y a la raison pour laquelle on l'appelle fils. C'est parce qu'il s'est identifié au fils qui était perdu. Pour racheter les fils perdus. Mais il n'est pas comme un Dieu là, comme les gens pensent, non. Il est le vrai Dieu. Et aujourd'hui, dans la troisième dispensation, le même Dieu là, il est esprit. En son peuple, en vous et en moi, ce même Dieu là. Amen. Sauf dans cette dispensation aussi, nous allons parler de cette part qui devient réelle, qui devient une vie dans le chrétien. C'est ça ce que nous voulons parler. Qui devient la vie dans le chrétien. La vie réelle d'un chrétien doit être une célébration de la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce qui fait le christianisme. Ce n'est pas seulement de prendre, ce n'est pas seulement de célébrer dans la joie et c'est fini avec dehors, redevenir la même personne. Non! Mais le christianisme, comme nous le disons, c'est is daily, c'est journalier, c'est horaire, c'est à chaque heure, c'est à chaque seconde, c'est toute une vie. Amen. C'est toute la vie. C'est-à-dire, je prie sa nature, je deviens lui, je deviens la personne de Jésus. Je suis chrétien, c'est-à-dire, je suis petit Christ. Je suis petit Christ. Vous êtes en respect. Vous êtes un petit Christ. Mais comment devenir petit Christ? C'est-à-dire, j'ai repris la nature que j'avais perdue. Vous
se répandre dans la nature qu'il avait perdue. Parce qu'aujourd'hui, les gens prêchent seulement qu'il est ressuscité pour que je puisse reprendre la richesse de l'or. C'est faux. C'est très faux. C'est un faux évangile. Amen. Amen. Waouh. Amen. Wow. Amen. Amen. Le problème, c'est la fondation. Ce n'est pas le brique, la fondation. La fondation, c'est la nature de vie. C'est pourquoi il dit ici, avant que j'avance, c'est pourquoi il dit à Matthieu, cherche premièrement le royaume des cieux. Et le reste, les briques ici, c'est par-dessus. Les briques, vous voyez, on a mis par-dessus, non? La fondation est là. Les briques, c'est les par-dessus. Mais comment tu fais chercher les par-dessus sans mettre la fondation? Ça, ce n'est pas une bonne maison, ça va tomber toujours. C'est pourquoi la résolution ne parle pas. C'était mort, maintenant c'est ressuscité. Non, par rapport à ça. Qu'est-ce qui était mort? Ma nature était perdue. Mais par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je récupère ma nature. C'est ça le vrai sens de la résurrection. Jésus est déjà mort. Il est ressuscité. Il a fait son travail. Il a fait sa part. Moi et vous devons faire notre part dans cette dispensation. Devons faire notre part. Notre part, c'est quoi? La Bible dit, ne mélangez pas les levains. Old leaven. Hein? Les vieux levains. Enlevez les vieux levains. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors nous devons enlever l'ancien levain. Quand on parle de l'ancien levain, on parle de l'ancienne vie, l'ancienne personnalité, l'ancienne personne, pour avoir une nouvelle personne. C'est-à-dire, le christianisme n'est pas une vie de mélange. Nous sommes là. Le christianisme, le vrai sens de la Pâque, trouve son sens à moi et en vous. Le monde doit voir la résurrection de Jésus. Le monde doit voir l'amour de Jésus manifesté dans votre vie. Amen. Et cette Pâque devient telle, ça devient journalière, ça devient personne. C'est ainsi que vous sentez la joie du salut, vous sentez la joie de la résurrection. Je n'ai pas mangé, mais je sens la joie de Jésus. Je ne suis pas vêtu, mais je sens la joie de la résurrection. Je n'ai pas la richesse, mais je sens la joie de cette richesse glorieuse. Waouh, foi, pourquoi il est mort? Je sens qu'il est mort, il est mort. Mon ancienne nature est déjà morte. J'ai maintenant une nouvelle nature. Je me sens une personne qui n'est pas terrestre. Je me sens une personne céleste. Et quand je marche sur la terre, c'est comme si c'est le corps qui marche, mais mon esprit est au ciel. La Bible dit, notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. L'apôtre Paul lui dit, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, le corps est sur la terre, mais mon esprit, ce qui fait moi, n'est pas sur la terre. Je suis en train de me réjouir dans les lieux célestes. Parce que je suis ressuscité ensemble avec le Seigneur Jésus. Ne pouvait pas ressusciter parce qu'elle est une créature. Ok?
Le premier agneau devrait mourir, mais ne pouvait pas ressusciter. Et c'est une créature, c'est un animal. C'est pourquoi? Parce que ça ne pouvait pas sauver. Pourquoi ça ne pouvait pas sauver? C'est parce que c'est une créature. Et une créature ne pouvait pas sauver une créature. C'est pourquoi même hier nous avons parlé que Jean, quand il a vu qu'il pouvait prendre le livre, il n'y a personne, c'est-à-dire il n'y a aucune créature qui pouvait sauver une autre créature parce que tout le monde était trempé dans le péché. Mais il faut le créateur sans péché, sans tâche, qui pouvait menacer d'identifier à vous et à moi, qui devait mourir. Donc, dans la deuxième dispensation, l'agneau, Dieu Tout-Puissant qui devait s'identifier à vous, il devait, en tant que créateur, il devrait racheter la créature. On écoute bien la parole. Il devait donner le sang. C'est-à-dire, dans le sang de Jésus, il y a la puissance. Amen. Il y a la puissance cachée dans le sang de Jésus. Et quand il y a le sang de Jésus, il y a la surabondance de la vie. Il y a la vie éternelle. On ne meurt plus. Moi, je ne meurs pas. Oui. Un chrétien ne meurt pas. Mais le chrétien passe de la mort à la vie. Quelqu'un peut me dire, mais les gens meurent tous les jours. Ce qui meurt, c'est le sable. Ça, c'est le sable. Vous savez ça? Amen. Ce qui passe, c'est le sable ici. Mais le vrai, moi, je ne meurs pas. Parce que la vraie personne est cachée à l'intérieur. Ce qui est dehors, ça c'est du caca, ça c'est de la poussière, ça c'est du néant. C'est pourquoi les diables avaient les champs pour être orgueilleux de leur peau, orgueilleux d'être blanche, orgueilleux de tous ces bijoux, orgueilleux de quoi que ce soit, c'est la poussière. Mais il faut être orgueilleux, être fier de ce que vous êtes à l'intérieur. La personne intérieure qui ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas parce qu'il n'y a pas de jugement. Le sang de Jésus-Christ agissant de la personne. Cette personne ne meurt pas. C'est la vie qui est là. La vie éternelle. Amen. I will pass over you. I will pass over you. You will never be judged. Il n'y a pas de jugement. Un chrétien ne peut pas au jugement. La vie éternelle, il n'est pas jugé par quelqu'un, il n'est pas jugé par le diable. Le jugement est produit par le péché, mais quand il n'y a plus de péché à moi, quand le péché n'a plus de puissance, pourquoi je peux te juger? On condamne quelqu'un à la justice, quelqu'un va à la justice parce qu'il a commis quelque chose, n'est-ce pas? Mais je vais me présenter à la justice pour faire quoi? Je n'ai pas volé, je n'ai pas fait des crimes. Je n'ai pas connu l'adultère. Je n'ai rien fait. Pourquoi je vais passer au jugement? C'est pourquoi une bonne nouvelle, c'est que la vraie chrétienne n'est pas se racheter au jugement. C'est que la chrétienne attend cet enlèvement. L'enlèvement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous qui sommes, ceux qui sont morts vont ressusciter. Non pas avec ce corps ici, mais avec une nouvelle, un nouveau corps. Comme Jésus-Christ était ressuscité avec un nouveau corps. Mais nous aussi, qui sommes vivants, si Jésus vient pour l'enlèvement aujourd'hui, nous serons transformés. Quel est le mystère qui est là? C'est-à-dire la vraie personne qui est cachée, la vraie nature qui est à l'intérieur cachée aujourd'hui, sera dévoilée à l'extérieur. Et ça va disparaître. Et la vraie personne va apparaître. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, le monde, toutes les créatures, attend avec un désir ardent la révélation des fils des hommes. Et on est là. C'est-à-dire, nous les vrais fils. Je m'excuse, vous atteignez cette dimension, je parle. Oh, amen. Je suis là-bas. On est ensemble. On est ensemble là-bas. L'église, nous volons ensemble. L'Église, peuple de Dieu, nous voulons ensemble. Amen. Nous sommes à elle. Nous devons manger la nourriture glorieuse. La révélation des fils des hommes. C'est-à-dire, les fils sont encore les mystères aujourd'hui.
C'est pourquoi le corps ici, on peut les battre aujourd'hui. Et soyez pasteur. On peut les battre aujourd'hui. Et ça peut être affligé aujourd'hui. Oui, on afflige ce corps, si cette poussière ici, ça peut s'affliger dans la tribulation, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les maladies. Mais la vraie personne, le vrai, la vraie personne est cachée. C'est un mystère. Hein? Le un chrétien, un vrai chrétien, c'est un mystère, il est caché à lui. Oh, mais c'est un mystère. Il sera révélé. Il sera dévoilé lors de l'enlèvement. C'est pourquoi un vrai chrétien, il est content dans tous les temps possibles. Alléluia. Parce qu'il est mort et ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est le mystère. C'est pourquoi un vrai chrétien n'est pas influencé par ce qui est du dehors. Non. 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 Je le répète, les ministres dans cette génération ici doivent faire beaucoup d'attention à ce qu'ils prêchent. Amen. Partout au monde, nous devons réveiller le peuple de Dieu pour le faire comprendre où sommes-nous. Prendre les choses dans la dimension où ça doit être pour faire asseoir le peuple de Dieu dans la position vraie devant le trône du Père. Et le faire comprendre qu'il règne. Il règne non pas seulement au ciel, mais il règne dans ma vie. Il est Dieu. C'est parce qu'il y a trois puissances, comme je dis. Il y a la puissance du sang de Jésus. Pour dire que et dans le sang de Jésus, il y a la puissance. C'est ainsi, aujourd'hui, dans cette dimension glorieuse, que là où il y a le sang, les sang exprime. The blood of the Lord Jesus Christ explains the life. You know, le sang de Jésus Christ explique la vie. C'est là où vraiment Christ est mort dans quelqu'un, ressuscité dans quelqu'un. Il y a le sang qui s'exprime. On ne voit plus le sang là sur les rideaux de la maison, mais le sang là parle plus que le sang de la mer. Le sang de Jésus Christ, quand vous êtes mort et ressuscité avec Jésus, le sang de Jésus-Christ parle en vous plus que le sang d'Abel. C'est-à-dire, le sang, il y a le cri de la vie de Jésus en vous. Il y a la vie de Jésus qui coule, qui aborde, qui jaillit plus que le fleuve, plus que la source, parce que la source de vie est en vous, parce que la vie abondante coule et jaillit en vous. Jusque dans l'éternité. Amen. Amen, Église. Amen, Église. Et là, vous devenez intouchable par les ténèbres. Il ne faut pas faire trop de gymnastique pour être protégé. Non. Je suis protégé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est quoi? Je suis protégé par la vie de Christ qui coule en moi. Je n'ai pas de problème. Je dors dans la paix. Je me réveille dans la paix. Je suis intouchable par le diable. Je suis intouchable par les ténèbres. Pourquoi? Parce que on passe au vrai. Il n'y a pas de jugement. Hein? Amen. Il n'y a pas la destruction. C'est ainsi la première puissance. C'est la puissance du sang de Jésus. Quand réellement vous êtes mort avec Jésus-Christ, il y a la puissance de la résurrection qui s'avance en vous. C'est-à-dire, quand vous marchez, quand vous vivez, même les gens des mondes ténèbres savent découvrir, parce que même les Macumbaria, comment les Macumbaria, c'est en portugais, les vaudous, vous connaissez les vaudous? Tout le monde comprend les vaudous? Les voodoo, les magiciens, tous ces gens ici, les médiatres dans des maisons magiques, ils savent voir. C'est pourquoi il ne suffit pas que je parle, parce qu'ils s'en parlent à moi. Est-ce qu'on écoute bien? Même si je n'ai pas fait les prix pour dire que je suis chrétien, mais le sang de Jésus-Christ, la Bible dit, il parle plus que, mieux plus que le sang de la mère. Le sang de la mère avait crié, mais le sang de Jésus-Christ parle.
Est-ce qu'on écoute la différence? Quand vous lisez à Genèse, le son d'appel crie, mais le son de Jésus lui parle. Parler, ça veut dire vie, ça exprime la vie. C'est quelqu'un qui a la vie. Je n'ai pas besoin de faire le combat, je n'ai pas besoin de faire, comment on appelle la lutte. Je n'ai pas besoin de faire le commentaire pour que les gens découvrent que le son de Jésus est là. Non, je n'ai pas besoin de faire. La course, ou bien, quand les gens font la course, compétition. Ah oui, je n'ai pas besoin de faire des compétitions. Bon, non, c'est automatique, ça parle, ça s'exprime. Parler, ça veut dire exprimer. La vie de Jésus s'exprime en vous. Ça s'exprime dans le chrétien. Et c'est là que la Pâque trouve le vrai sens dans le chrétien. Nous sommes là. C'est ça que la Pâque trouve le vrai sens dans le chrétien. Ça commence par là. La Pâque ne doit pas être un sens théorique, mais ça doit être un sens vie. C'est ça qui donne le sens de la Pâque dans le chrétien. Notre Christ, notre Pâque a été immolé. Il est immolé, et maintenant il est vie, il est devenu vie à moi, et il est devenu Pâque à moi. La Pâque est vie, est rien là. C'est une vérité dans le chrétien. Hein? Quand le diable vient, il sent l'odeur, parce que le sang de Jésus-Christ a l'odeur. Hein? Smelly. Amen. It's smelly. Regarde, la Bible dit le rôde comme un lion, cherchant qui le volait. N'est-ce pas? Si vous avez l'odeur de l'animal, le diable, de la poussière, vous savez la nourriture des serpents? Ok. Amen. Vous connaissez l'odeur de la nourriture de la poussière et de la nourriture du serpent? C'est la poussière. Alors. Maintenant, si vous n'avez pas l'odeur de la poussière, mais vous avez l'odeur de la personne, c'est celui qui a la vie, le sang de Jésus. C'est le diable rôde. L'odeur de la poussière. Je ne veux pas dire ça. Amen. 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 L'odeur de la poussière, il avale. Mais quand vous avez l'odeur de l'homme, parce qu'il y a, attendez, je suis seul. Il y a quatre facettes. Jésus a pris quatre facettes, vous savez. Dans la révélation, il y a quatre facettes. Il y a la facette du fils de l'homme, il y a la facette du lion, il y a la facette de l'aigle, hein? Et il y a la facette de l'agneau. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Maintenant, quand dans la forme de la nature de l'homme, l'homme est inconsommable. Le vrai homme est inconsommable. C'est pourquoi la Bible dit, Shadrach, Meshach, Abednego, quand on les a jetés, comme ils avaient l'homme, on les a jetés dans la fournaise ardente, on les a mis, on les a jetés à combien? Combien? Maintenant, on a vu combien? La forme de la quatrième? Fils de l'homme. Le feu ne pouvait pas les abrutir parce que le fils de l'homme était là. C'est-à-dire, il y a une identification. On ne consomme pas le fils de l'homme. C'est-à-dire, quand vous avez le sang de Jésus-Christ, on ne vous consomme pas. On ne mange pas. Le diable ne peut pas manger l'homme parce qu'il ne peut pas supporter le sang de Jésus-Christ. Non. Parce qu'on mange quelqu'un, on mange le sang, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas ça? On mange quelqu'un, on mange son sang. Est-ce qu'on peut manger encore le sang de Jésus? Est-ce qu'on comprend cette dimension des choses? On ne mange plus, on ne peut pas manger le sang de l'homme, de Jésus, parce que vous êtes homme divin. Mais on mange la poussière parce qu'il n'y a pas la vie là-bas. La poussière, est-ce que vous savez qu'il y a
il y a la vie là-bas. Parce que là où il n'y a pas de ça, il n'y a pas la vie, n'est-ce pas? Et il y a, dans la poussière, il n'y a pas la vie. La puissance de la résurrection. On comprend? Donc la Pâque, c'est toute une vie. Et cette vie produit la puissance. A des puissances qui sont manifestées. La deuxième puissance. Pas seulement si vous m'aidez à respecter le temps aussi. Si vous voyez que je. Qui me reste? My God! Amen! Car, pasteur, j'ai parlé d'une puissance, le reste de puissance. Moi, quand je disais, je pense qu'il me reste 30 minutes. Sincèrement. Amen, Église. Amen. Nous sommes là. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Alors, on ne chante pas que le tombeau est vide dans le lien. Non. Le tombeau est vide quand ça en vous, c'est vide déjà aussi. Est-ce qu'on comprend ça? Quand en vous, c'est vide, c'est-à-dire le tombeau est aussi vide dans votre vie. C'est-à-dire, Jésus est ressuscité aussi en vous. Vous êtes ressuscité. C'est-à-dire, il y a la deuxième puissance. Nous parlons de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. C'est la puissance qui consiste à rendre ce qui était mort à la vie. C'est-à-dire, j'étais mort. Je suis mort dans les péchés. Maintenant, je vis avec Christ. Ce n'est plus ma personne, John, qui vit. Mais c'est Christ, c'est-à-dire ça parle de la nature divine. Ça parle de Jésus qui vit en vous. Vous pouvez sentir vous-même. Il n'y a pas question que quelqu'un vienne vous juger. Hein? Que le pasteur vous juge. Non, vous n'êtes pas quelqu'un. Non, vous-même, la première personne, c'est vous qui devez sentir en vous. C'est le premier témoignage. Est-ce que vous comprenez? Nous devons être très sérieux avec les choses de Dieu. Nous devons prendre les choses de Dieu très au sérieux. Les choses de Dieu, ce n'est pas tous les gens. Oui, nous venons ensemble à l'église, il y a l'adoration, il y a la louange, mais la relation avec le Seigneur n'est pas d'abord collective, elle est d'abord personnelle. Amen. Elle n'est pas d'abord collective, elle est personnelle, c'est l'intimité, elle est intérieure, elle est personnelle. C'est-à-dire, vous devez sentir vous-même d'abord. Vous sentez vous-même d'abord que réellement, il y a Christ est ressuscité en moi. Le tombeau est vide en moi. Vous sentez ça. Et si vous ne sentez pas, cherchez à sentir, cherchez à vivre ça, Église. Nous devons nous donner le devoir de ces choses vraies. De vivre le vrai christianisme. De vivre ça réellement. Christ est ressuscité. Est-ce que le tombeau? Vous savez, la Bible dit que ces gens-là sont des tombeaux, des sépulcres ouverts. Hein? Dehors, ils présentent une autre forme, mais à l'intérieur, il y a une autre chose. Donc, quand il y a quelque chose autre que Jésus en vous, c'est-à-dire les tombeaux sont encore fermés. Ok? Waouh! Amen! Je prends ma Bible, je prêche, quelqu'un prêche, il fait tout, mais à l'intérieur il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est un tombeau bien embelli. Il y a des gens qui gardent la mort en eux. Amen, Église. Il y a des gens qui marchent. Le Seigneur m'avait dévoilé cette histoire depuis des années. Et quelqu'un marche comme ça, le Seigneur me dit, regarde, si tu vois cette personne qui marche, je dis oui. Est-ce que tu peux savoir que c'est un tombeau? Je dis, je ne sais pas. Le Seigneur me dit, cette personne, regarde, il y a des gens qui marchent, mais qui sont des tombeaux bien aménagés. Hein? Mais à l'intérieur, c'est la mort. Voyez-vous? Quand quelqu'un garde le péché en lui, quand quelqu'un garde le diable en lui, et c'est tout un tombeau là. Il garde la mort en lui, il a bien amené la mort. Le ministre là, Amen. 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 Hein, nous
showing you what we want to show, everything, là, c'est l'amour qui est encore à l'intérieur. Les gens sont en train de vendre l'amour avec la prostitution, en train de vendre l'amour avec la drogue, de vendre l'amour avec l'homosexualité, en train de vendre l'amour. Mais nous ne sommes pas là pour vendre l'amour, mais nous devons donner la vie. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. 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 Quand on a pour l'esprit d'alcool, l'esprit des drogues, tout esprit satanique gardé, c'est l'amour qui est gardé. C'est un tonneau bien ameli. Mais il faut que le tonneau soit vide. Il faut que le tonneau soit vide. Et vous vous réjouissez. Il y a la puissance de la résurrection. Vous sentez que j'étais mort, maintenant je vis. Vous savez, quand vous avez Christ, vous sentez ce souffle divin. Hein? Je ne sais pas si vous expérimentez ça. Vous sentez le souffle divin. Ça fait votre joie. Ça, la Bible dit, ne passons pas cette fête avec des levains mélangés, des hors de levain. Hein? C'est-à-dire, nous, le christianisme, c'est la fête. La Pâque, c'est la fête de chaque jour. C'est-à-dire, quand Christ est déjà ressuscité en vous, il y a une joie éternelle. Est-ce qu'on comprend ça, Église? C'est toute la joie éternelle. Il n'y a personne qui peut vous enlever cette joie-là. Il n'y a personne qui peut vous enlever cette paix éternelle. No matter what, malgré quoi, mais vous sentez seulement une assurance en vous. Vous sentez la paix en vous. Vous sentez la joie éternelle, la joie de la présence de Dieu, la joie parce que Jésus règne. Il règne en vous. Sorry. Il règne, vous sentez le règne de Dieu et qui parle. Vous sentez le lordship, la seigneurie de Jésus en vous. Quand il y a la présence de Jésus, manifestez que Christ résiste à vous. Il y a toute la seigneurie de Jésus. Vous sentez et la seigneurie de Jésus. Vous vous sentez soumis. C'est ça la seigneurie. Ma vie, mon âme, mon esprit, mon corps, soumis à lui. Amen. Je me soumets à toi, Jésus. Je suis la partie de ton épouse. Je me sens soumis. La soumission de mon être. J'ai soumis mon caractère à lui. J'ai soumis mon intelligence à lui. J'ai soumis mes émotions à lui. J'ai soumis ma force. J'ai soumis mon aide. J'ai soumis mes biens à lui. J'ai soumis mes avoirs à lui. C'est ça le christianisme. Amen. Amen, l'Église. C'est ça la joie, c'est ce qui fait votre joie. Vous savez, quand, c'est là que Jésus devient notre Seigneur. Il devient notre Seigneur parce qu'il y a des gens qui veulent que Jésus soit seulement leur sauveur, mais ils ne veulent pas qu'il soit leur Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Avant que Jésus soit votre sauveur, et laissez-le être votre Seigneur. Qu'il est ressuscité en vous. Et quand il est ressuscité en vous, il devait être votre Seigneur. Vous devez soumettre votre être à lui. Vous devez soumettre vos avoirs à lui. Vous devez soumettre votre caractère à lui. Vous devez soumettre vos émotions à lui. Vous devez soumettre votre orgueil à lui. Il doit pétiner. Il doit régner sur ça. Il doit dominer sur ça. Il doit s'asseoir sur ça. Au ciel, les anges, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, ils arrivent même les couronnes aux pieds de Jésus. C'est-à-dire, nous sommes soumis à toi. Mon ministère soumet à toi. Mon titre soumet à toi. Tout mon être.
le ministère, le gouvernement, les titres, la présidence, la royauté, tout, tout, tout. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de Jésus. Nous devons nous sentir soumis à Jésus. Nous devons nous sentir humbles. Humbles, profondément humbles. Soumis, obéissants. Quand nous parlons aussi de la soumission produit l'obéissance et le respect et la révérence au Seigneur Jésus-Christ. C'est là le vrai sens de la Pâque. Amen. Je soumets mes projets à lui. Est-ce que vous soumettez vos projets à lui? Ne vous réjouissez pas demain, je ferai ceci, je m'aime demain. Non, si Dieu le veut. Amen. Demain, j'aurai ceci, demain. J'ai bien un bon planning, I have a good planning. I will do this, I will have this. I have the people proud for the money, proud for riches, proud for nothing. Yes, that is arrogance. Soumets tout ce que vous avez. Soumets vos projets au Seigneur Jésus-Christ. Soumets votre être au Seigneur Jésus-Christ. Soumets vos avoirs au Seigneur Jésus-Christ. Soumets votre plan au Seigneur Jésus-Christ. Soumets vos enfants au Seigneur Jésus-Christ. Soumets même votre travail. Ne soyez pas orgueilleux parce que vous êtes au Canada. Ne soyez pas orgueilleux parce que vous êtes aux États-Unis. Ne soyez pas orgueilleux de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Ne soyez pas orgueilleux de votre caractère. Ne soyez pas orgueilleux de vos émotions. Ne soyez pas orgueilleux de qui que vous êtes et que vous avez. Non. Ce sont des choses passagères. Mais par contre, je me soumets à toi. Amen. C'est là que s'annonce la puissance de la résurrection. Ne sois pas orgueilleux de ta bonté. C'est rien, c'est la poussière. C'est passager. Ouh, alléluia. Amen. Amen. My God. Amen. Amen. C'est passager. Ça passe. C'est la poussière. C'est comme une fleur. C'est juste qui est un simple fleur, un simple vent, et ça passe et ça tombe. Ok? La deuxième puissance, comme je dois aller au respect du temps, la puissance du nom de Jésus. Il s'est humilié, il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé. Il lui a donné le nom. Le nom de Jésus explique l'identification de Jésus, la personne, l'identité de Jésus. Amen. Amen. Le nom, vous savez, toute créature a des genoux. Est-ce qu'on peut aller dans cette dimension-là? Toute créature a des genoux. La montagne ici a des genoux. La mer rouge a des genoux. La fournaise ardente a des genoux. Les lions ont des genoux. Ok? Les mauvais esprits ont des genoux. Est-ce que nous sommes là dans cette dimension-là? Tout ce qui peut être et avoir ont des genoux. Invisible, invisible, ça a des genoux. Ça veut dire, ça doit fléchir. Parce que ça a des genoux. Qui n'a pas de genoux? Jésus n'a pas de genoux. Est-ce que nous arrivons là-bas? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de genoux. Il est créateur, il va s'agir devant qui? Mais toute créature a des genoux. Jésus, dans la colonne de feu, il était là, la mer rouge.
vu Jésus, il a laissé la place, il a fléchi, parce que la perdit. Dites à cette montagne, si vous avez la foi, dites à cette montagne, quitte ici et va là-bas. La montagne va faire quoi? Va s'affaiblir. Ok? C'est-à-dire, la montagne a aussi les oreilles à l'échelle. Ok? Le nom de Jésus est connu. Il sent. Maintenant, dans cette dimension, je parle pour mettre pratique à la vie de la parole. Le nom de Jésus est l'identité de Jésus. C'est-à-dire, c'est comme par exemple mon frère. Ok. Mon frère a l'argent dans la banque. Il y a des milliers dans la banque. Maintenant, moi, je n'ai pas des milliers dans la banque. Maintenant, lui, suivez-moi bien. Mon frère dit, bon, tu peux aller dans mon compte, retirer l'argent en mon nom. Ok? Retirer l'argent en son nom, qu'est-ce qu'il me faut? Je dois porter les identités de frère. Est-ce que nous écoutons bien? Pour posséder quelque chose au nom de mon frère, je dois avoir les identités, présenter les identités de mon frère, chèque bancaire venant de lui, les identités, doit présenter toutes ces formes d'identité. Et alors, même si je suis boiteux, même si je suis aveugle, ce n'est pas le problème du banquier. Le problème du banquier, c'est de voir les identités de celui que j'ai présenté. Et quand il voit les identités, c'est fini, il m'accorde cela. Être sans être propre, être comme ça, ça ne lui engage pas. Ce qui lui engage, c'est l'identité que j'ai amenée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, demandez tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. C'est-à-dire, porter l'identité et l'identité de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement en parole. Non. C'est un acte en puissance. Wow, church, est-ce que nous comprenons bien ces choses? C'est un acte en puissance. C'est-à-dire, l'identité de Jésus, il ne suffit pas. Quelqu'un qui a l'identité de Jésus, avant qu'il parle, tout lui obéit déjà. Parce que l'identité s'est fait sentir. Il est le représentant de Jésus. C'est-à-dire, l'identité, la personne de Jésus est en nous. C'est automatique. Est-ce que vous comprenez bien? Tout c'est automatique. Quand l'identité, la personne de Jésus est réellement vue en vous, il ne suffit pas seulement d'écrire. Votre présence seulement doit être automatique. C'est-à-dire, quand la personne vous porte l'identité de Jésus, la personne de Jésus, vous devenez représentant de Jésus sur la terre. Vous devenez ambassadeur. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes ambassadeurs du Christ. On est là. Amen. Nous sommes ambassadeurs. C'est-à-dire, nous sommes les représentants de Jésus sur la terre. Je représente le roi des rois sur la terre. Je représente le Seigneur Jésus-Christ au Canada. Je représente le Seigneur Jésus-Christ dans ma famille. Je représente le Seigneur Jésus-Christ au travail. Je représente le Seigneur Jésus-Christ devant les péchés. Je représente le Seigneur Jésus-Christ devant les tentations. Et je représente le Seigneur Jésus-Christ dans les épreuves. Partout, je suis représentant. Amen. Jésus n'est pas tombé quand il y a eu des tentations. La même chose. En tant que représentant de Jésus, je tombe. Oh, tomber, c'est-à-dire fléchir. Ok? Le diable est venu. Papa, mais il y a des gens qui continuent à venir. C'est-à-dire, le Seigneur dit que je continue. Amen. Papa, vous payez. Si les heures passent, vous payez. My God, mes invités viennent d'accord. Ils ont besoin de la parole. Oui, oui. Et je dois faire respecter les choses. Amen. Amen, Église. Amen, Église. Amen, Église. Amen.
puissance cachée dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'identité. Le nom de Jésus n'est pas seulement à prononcer in the name of the Lord Jesus Christ. Non, c'est la vie. C'est son identité que je porte, que vous portez. Donc vous représentez Jésus. Et c'est pourquoi vous voyez Jésus, quand le diable est venu, il a dit, si tu te... Si, il lui montre, le diable montre au Seigneur Jésus toutes choses. Il dit, si tu te prosternes et fais quoi? Et m'adore. Je ferai quoi? Je te donnerai tous ces jours. Mais Jésus n'a pas de genoux pour réfléchir. Est-ce qu'on nous comprenons ces choses-là? Jésus n'a pas de genoux pour fléchir devant Satan, pour l'adorer. Non. C'est ainsi qu'un vrai chrétien n'a pas aussi de genoux pour fléchir devant Satan. Ses genoux, c'est pour fléchir devant le roi. C'est pourquoi quand nous portons l'identité et l'identification du Seigneur Jésus-Christ, quand nous représentons Jésus, nous n'allons pas le représenter seulement dans l'église, mais nous le représentons aussi même dans les ténèbres. C'est ainsi tout est automatique. Quand on a, c'est ça le vrai sens de la Pâque. Christ, notre Pâque, est vivant. Christ, notre Pâque, est vivant. Mes amis, pour respecter le temps avec le pasteur, nous étions en train d'annoncer pour dire qu'il y a trois puissances cachées dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La mort, hier nous avons parlé sur la puissance de la croix, mais aujourd'hui nous avons parlé sur la trois puissances cachées de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En récapitulatif, il y a la puissance du sang de Jésus. Deux, il y a la puissance de la résurrection. Trois, il y a la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, pour que toutes ces puissances deviennent une réalité, Jésus a déjà fait sa part, nous devons faire notre part. C'est-à-dire, nous devons mourir avec Christ et ressusciter avec lui. C'est ça le vrai chrétien. Et c'est ainsi que la puissance du sang de Jésus va se faire manifester dans la vie automatiquement. Et la puissance de la résurrection sera automatique. Et la puissance du nom de Jésus sera automatique. Il ne suffit pas seulement que je parle au nom de Jésus. Avant que je prononce Jésus, il faut que Jésus soit vie à moi. Amen. 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 Nous pouvons nous tenir les mots. Mes amis, moi en personne, je suis arrivé au niveau où, comme je l'ai dit hier, je l'ai redit, que j'ai dit au Seigneur, je ne suis pas appelé à être ça. Seigneur, je dois vivre la vraie forme, la vraie personne que tu connais que je sois et que je suis. Amen. Nos amis chrétiens aujourd'hui parlent de Pâques par théorie, par culture, par émotion, par tradition, mais la Pâque doit être vie en nous. Ça doit être une vie, c'est ça le sens chrétien, c'est ça le vrai sens. Nous devons donner sens à la Pâque, ça doit être journalier. Mes amis, que chacun se demande à nous, est-ce que réellement je suis mort et ressuscité avec Jésus? Est-ce que vraiment la puissance du sang de Jésus se manifeste à moi? Est-ce que la puissance de la résurrection se manifeste à moi? Est-ce que la puissance du nom de Jésus se manifeste à moi? Est-ce que c'est vraiment vie à moi? Est-ce que je me réjouis? Est-ce que la Pâque, c'est une joie de chaque jour à moi dans ma vie? C'est une fête. Est-ce qu'elle est faite? How wonderful is your name, O Lord.